Les mitzvot, des lentilles de prison. Bishut Torah Ve'Avodai, avec la permission d'Hachem, on est tout frais. On vient d'arriver d'un long voyage cette semaine. En tournée, en Ukraine, en Russie, pèlerinage des tzadikim. Et voilà, demain, on part au Maroc pour célébrer la Hiloula de Rabbi Hippi de Alav HaShalom. Toujours chaque année, à cette période, il est coutume que la veille de Rosh Hashanah Kippour, de faire la tzedaka, pilein les tzadikim, et bien sûr, faire la teshuvah. Pilein les tzadikim, c'est pour se rapprocher davantage à Kadosh Baruch Hu, comprendre un peu mieux la vie les tzadikim, comment ils ont servi Hachem, apprendre d'eux, et pour que eux, pourquoi pas, ils seront nos avocats devant Hachem le jour de Rosh Hashanah et Kippour, le jour du grand jugement, le jour du grand pardon. Qui est certain qui a fait une teshuvah? Qui peut garantir qu'il s'est repenti? Qui peut garantir qu'il est proche d'Hachem? Qui peut dire « je suis parfait » que les tzadikim seuls? Donc c'est la raison pourquoi on utilise tous les moyens que nous avons pour se rapprocher d'Hachem, soit par un effort personnel, faire la teshuvah, faire un peu plus de sacrifices, un peu plus d'efforts au service d'Hachem pour pouvoir progresser dans l'avenir. Les fêtes approchent, les vacances sont derrière nous, on croit qu'on s'est reposé, on est plus fatigué. Je crois que les vacances fatiguent plus. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi? Vous savez pourquoi? Lorsque les vacances elles sont cachères, ça repose. Le Shabbat repose, les fêtes reposent, mais les vacances n'ont qu'à faire. Enfin, beaucoup, on se comprend. Ces vacances qui sont un peu. La fatigue est bien parce qu'on peut plus, on peut plus. On est obligé de rentrer. Bon, de toute façon, on est là. Et voilà, on n'est pas loin de la fête. On prie, on fait les slichot. Et le fait déjà qu'on fait les slichot, qui veut dire, on a quelque chose à se reprocher. Si on n'avait rien à se reprocher, on n'a pas de raison pour faire les slichot. Si on les fait, c'est parce qu'il y a quelque chose à se reprocher. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Mais avant que je raconte cette histoire, il faut que je vous pose une question. On a confiance, on a le bitachon, on a confiance en Hakadosh Baruch Hu, que Hachem va accepter notre prière le jour de Rosh Hashanah et Kippour. On a confiance en lui, on sait très bien qu'il ne peut pas le refuser. Même que chaque année on vient avec la même récitation, c'est une récitation qui se répète chaque année,
pardon, Al-Hayd, Al-Sham, Nuhatanum. Cette prière, on la connaît bien. On connaît les airs très très bien. Mais peut-être c'est, nous sommes, quelque part on arrive à, peut-être on s'habitue à cette prière. Peut-être parce qu'on aime les airs de la prière. Peut-être c'est par sentiment, la prière des sentiments. Comme quelqu'un qui m'a dit une fois, ah j'adore, ah hotketan, ah je dis à la petite sœur, parce que hotketan c'est la petite sœur. Ça a longué la petite sœur depuis l'année dernière. Hotketana, ma petite sœur. Vous savez que les chants de Kippour, ça nous donne beaucoup de... Il y a beaucoup de... Les airs, et ça fait des frissons, les airs de la fête de Kippour. Mais est-ce que c'est des frissons de la peur, des frissons de la crainte, des frissons de la teshuva, ou bien c'est des frissons du chant, lorsqu'on entend une très belle voix, une très belle voix, aïe aïe aïe, on a des frissons. C'est des frissons, alors on ne sait même pas ces frissons que nous avons lorsqu'on entend la prière de Kippour, je ne sais pas pourquoi ils viennent. Est-ce que c'est la crainte du grand jugement, on ne sait pas quoi. Mais bon, on a des frissons. Disons, c'est la peur de Kippour. Mes amis, je me suis posé une question cette semaine, est-ce qu'on a besoin de Rosh Hashanah? On sait très bien que Kadosh Baruch Hu nous pardonne. On sait très bien que Kadosh Baruch Hu est miséricorde, il nous pardonne. On sait très bien que pendant le mois d'Eloul, on entend le chant, hier soir, j'étais à Oman, vers 1h du matin, on est arrivé à Breslev, pèleriner le tzaddik là-bas, venant de Baal Shem Tov, et on est rentré, on n'avait que 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, parce qu'on était un peu en retard, on devait vite prendre la route pour arriver à Kiev, pour prendre l'avion de Paris. Et voilà, on arrive, je vous donne la parole d'honneur, vous ne pouvez pas imaginer, on était pris dans la prière, et soudainement, on entend, enfin, il y avait là-bas un groupe qui faisait des slichot, mais d'une façon, le shofar a été sonné, il y avait 3-4 personnes qui ont sonné le shofar à la fois, ça nous a fait peur. Et je vous donne la parole d'honneur, il y a eu quelques larmes qui sont descendues des yeux, et on a pensé à la Teshuvah, on a pensé à Hachem, pardon. On sait très bien que Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Est-ce qu'on a besoin d'être jugé si on est pardonné? Imaginez-vous que la police, elle arrête quelqu'un. Elle arrête quelqu'un. Et le policier, il va lui dire, ok, il va passer un juge, il va dire, bon, allez, c'est bon, tu peux y aller. Mais le juge, il lui dit, mais je vais te juger dans 3 jours, dans 1 mois. Alors, si tu veux me juger dans 1 mois, pourquoi tu me pardonnes? Lorsqu'on est pardonné, on n'est pas jugé. Vous avez entendu quelqu'un qui est jugé, qui est pardonné, et qu'on va le juger? Lorsqu'on pardonne, on ne juge pas. Alors pourquoi on va le juger? Pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah? On n'a pas besoin d'être jugé, puisqu'on est pardonné. Je vais vous donner quelques exemples, et vous allez prendre ces exemples comme témoignage, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Ménaché. Ce roi-là, il a fait toutes les fautes du monde. Et il a été capturé par ses ennemis. Et au moment qu'ils ont voulu le tuer, il a commencé à pleurer, il a fait une grande échouva, et Hachem, il a fait que le feu qui devait le brûler, il s'est éteint, et il s'est enfui. On dirait que ceux qui l'ont capturé, ils étaient aveugles. Il est retourné à Jérusalem, et aujourd'hui, ce Ménaché-là, il est le patron du ciel, la partie de la Teshuvah. Tous les gens qui font Teshuvah, ils ont un compartiment à eux dans le ciel. Et c'est lui là-bas qui les gouverne. Ménaché Amel, le roi Ménaché. On voit que ce Ménaché, qui est un grand rachat, en un clin d'œil, il a fait une Teshuvah, le bon Dieu, il n'a pas jugé, il a pardonné, il n'a plus jugé, il est Gan Eden. Donc de là, vous voyez que quelqu'un qui fait Teshuvah, on n'a pas besoin de le juger. Il y avait un ange qui s'appelle El-Azab Edo Daria. Il n'a pas laissé une femme
belle, qu'elle faisait des annonces, qu'elle cherche des gens qui veulent avoir, qui souhaitent avoir. À l'époque, c'était très très courant que les femmes, les belles femmes, et venaient s'exposer, les gens payaient pour les regarder. Et lui, il a traversé cette rivière pour venir la voir. Et lorsqu'il l'a vue, elle lui a dit, ça valait la peine que je t'ai vue, tu es belle. Elle lui dit, mais tu as l'air d'être juif. Il lui dit, oui, je suis juif. Il lui dit, mais attends, tu as traversé cette rivière, tu as risqué ta vie pour venir me voir. Elle lui dit, oui, et je ne regrette pas. Il lui dit, je ne regrette pas. Mais moi, j'ai entendu dire que les juifs, ils font des sacrifices pour leur Dieu. Et toi, tu as fait un sacrifice pour venir me voir. Elle lui dit, je ne pense pas qu'un jour le bon Dieu va te pardonner. Je ne pense pas que tu vas être pardonné un jour. Dès qu'il a entendu ça, il a commencé à réfléchir. Il a dit quoi? Une Goya? Elle a compris qu'il faut se sacrifier que pour Dieu. Et moi, j'ai fait le contraire. Je me suis sacrifié j'ai risqué ma vie en traversant sept fleuves pour venir voir cette femme. Et cette femme, elle me fait des reproches. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il est parti dans le désert. Il a commencé à prier. Il a commencé à crier. Le ciel, la terre, les étoiles, la lumière, les montagnes, priez pour moi pour que le bon Dieu me pardonne. Et à un moment donné, il s'est dit, je suis en train de demander à d'autres de prier pour moi, mais c'est pas eux qui ont fauté, c'est moi qui ai fauté. Donc c'est à moi de prier. Il commence à prier, il a mis sa tête entre ses genoux, il a commencé à pleurer, il est mort. Au moment qu'il est mort, il y a une voix du ciel qui sort, et qu'elle dit, Rabbi El-Azhar ben Dodaria, tu as Elek al-Olam Abba. Les portes du ciel, les portes du Gan Eden, ils sont ouvertes pour toi. De là, qu'est-ce que vous voyez? De là, vous voyez qu'il n'a pas été jugé. Le bon Dieu a accepté sa teshuva, il lui a pardonné, et il a Gan Eden. Donc, nous, le mois d'Eloul, on fait teshuva. Puisqu'on a fait teshuva, chaque matin on se lève, on fait les slechot. On a fait les slechot. On est un peu super, on se sent bien, comme ce matin, je vous en parle d'honneur. J'étais super bien ce matin, alors j'ai écouté ces slechot, et surtout avec le chauffard, même pendant quelques minutes, ça m'a donné une vie. Donc, je me pose une question, est-ce que j'ai besoin d'être jugé si j'ai fait tes chevaux, et j'en suis certain et sûr que le bon Dieu me pardonne les fautes que j'ai faites? Pourquoi j'ai besoin de Rosh Hashanah? Et pourquoi j'ai besoin de Yom Kippour, le jour du grand pardon, puisque je sais que le bon Dieu va me pardonner? Regardez cette histoire que je viens de vous raconter de Erza Bondo derrière. Le bon Dieu lui a pardonné tchik-tchak tout de suite. Et la première histoire que je vous ai racontée sur le roi Ménaché, attends, je vois qu'on lui a pardonné tout de suite, il n'a pas jugé tout de suite. Il a fait sa prière. Mettez ça dans la tête. Vous faites teshuva, vous faites pénitence, le bon Dieu vous pardonne. On ne revient pas. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on a besoin? Et en plus, on entend le chauffard pendant, d'après nos sages, que pourquoi nous, les Sfaradim, on fait l'islechot et on sonne le chauffard chaque jour pendant le mois d'Eloul, d'après le Midrash, parce que Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour apporter les deuxièmes tables de la loi. Il est resté là-bas 40 jours, donc il est monté le jour de le Rosh Chodesh d'Eloul, et il est redescendu 40 jours plus tard, c'était Yom Kippour, le jour de Kippour. Et c'est là que le bon Dieu il a dit à Moshe, j'ai pardonné aux Juifs pour la faute du veau d'or. Donc, vous voyez que les Juifs, chaque matin, ils sonnaient le chauffard. Ils comptaient les jours. Quand nous, on compte les jours de Pessah jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Shavuot, on compte les jours du Homer, les Juifs, ils ont compté de Rosh Hashanah, de le premier jour de Elul, jusqu'à Kippour, chaque jour, ils sonnaient le chauffard. Ils comptaient les jours parce qu'ils savaient que dans 40 jours, il va descendre. Un jour, deux jours, trois jours, jusqu'au 40e jour, qui était le jour de Kippour, et hop, Moshe, il descend. Donc, nous, c'est ça ce qu'on fait. On sort le chauffard le matin, chaque matin pendant Rosh Hashanah. Donc, on sait qu'on va être pardonné. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de Rosh Hashanah? Je vous raconte une autre histoire. Il y avait un qui s'appelle Yaakov Ish Tzevorot. Celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est Bémet, je l'adore. Celui-là était le neveu d'un grand tzadik. C'était son neveu. Et on raconte que, à l'époque des Grecs, Yaakov Ish Tzevorot,
il est tombé amoureux d'une grecque, une femme, très belle femme. Et puis les grecs lui ont dit, on sait que tu es le neveu du grand tzaddik, du grand rabbin, alors, et voilà, si tu fais comme nous, tu manges un peu de porc, tu manges avec nous, et tu viens, et ça va, on te donne ce que tu veux. Tu vas devenir un général grec, etc. Il a commencé à réfléchir, il a dit, ah, pourquoi pas. Il s'est dit, pourquoi pas. Et voilà, mes amis, il a commencé à fréquenter le club des Grecs, et voilà, au fur et à mesure, il s'adapte à leur vie, et voilà, il commence à sortir, il va aux discothèques de l'époque, je ne sais pas où, et c'était, je ne peux pas vous dire où, mais bon, et voilà, il commence à fréquenter, et son oncle, il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Eh, papa, neveu, mon oncle, c'est trop, regardez, je suis super, je m'en sens bien, je me sens bien avec mes copains grecs, et voilà, et voilà. Et un jour, malheureusement, les Grecs, ils ont interdit l'étude de la Torah. Et voilà, on a arrêté le grand tzaddik, on l'a arrêté. Et ils ont voulu le pendre le jour du Shabbat. Donc, ils ont mis sur lui un poteau et ils ont traîné les Grecs, le traîné à un certain endroit où là-bas ils devaient le pendre, dans une place publique. Et voilà, il y a son neveu qui s'appelle Yakoum Ish Tsevorot. Il était sur son cheval, de galoper. Et voilà, il passe devant son oncle. Il dit, t'entends? Il paraît qu'il veut te pendre. Tu vois, qu'est-ce que ton Dieu t'a réservé? Regarde mon Dieu qui s'est m'a réservé. Regarde comment je suis habillé. Regarde cette jolie femme avec qui je sors. Regarde-toi comment tu es. C'est ça ton Dieu. C'est ça ta Torah. Regarde, qu'est-ce que tu vas devenir dans quelques temps? Dans quelques heures, tu vas être pendu et brûlé, et voilà. Et rien ne va rester de toi. Chut. Vous éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Il s'est passé que le tzaddik, il regarde son neveu. Il lui dit, mon fils, si moi qui ai jamais fauté, c'est ça ce qui m'attend, la mort elle m'attend comme ça, alors que moi j'ai bien servi le bon Dieu. Im le roseret sonokar, le avreret sonok, akhat kadam kama. Si ceux qui respectent Hachem, c'est ça le sort que le bon Dieu leur a réservé, alors ceux qui ne respectent pas Hachem, quel est le sort que le bon Dieu leur réserve? Yakoum Ish Tserorot, il entend cette phrase venant de la bouche de son oncle, et tout de suite, il regarde son oncle, il lui dit à bientôt. Il descend du cheval, et continue à pied. Il prend son épée, il récolte quelques pierres, il construit un mur, il va sous un arbre, il prend son épée, il le pointe, il le met par terre, il se pend, il met le feu, et le feu a brûlé la corde s'est coupée, il tombe sur l'épée, on tombe sur l'épée, il tombe aussi sur le mur de pierre qu'il a construit, les pierres ils tombent sur lui. Ça veut dire qu'il est mort, il s'est fait lui-même la mort, le sort des quatre morts. En faisant Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Et soudainement, voilà une voix du ciel qui sort, et qui dit, Yakoum Ish Tserorot, Mouzvan le Haya al Maba. Yakoum Ish Tserorot, les portes du Gan Eden sont ouvertes pour toi. À ce moment-là, son oncle, le tzaddik, les Grecs étaient en train de mettre la corde autour de son cou. Il entend cette voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Mon neveu est arrivé avant moi? Mon neveu est arrivé à Gan Eden avant moi? Mystère Racha. Qu'est-ce que vous voyez de là? Un homme qui fait teshuvah, on ne le juge pas. Tout de suite, le bon Dieu accepte sa teshuvah et les portes de Gan Eden sont ouvertes.
Donc la question est encore très grande. Comment est-ce possible? Pourquoi on a besoin de sonner le shofar à Rosh Hashanah? Pourquoi on a besoin d'être jugé? Et pourquoi on a besoin du pardon de Kippour? Puisqu'on fait teshuvah, alors le jour qu'on a fait teshuvah, ça suffit, c'est tout. On sait que le bon Dieu nous pardonne. Le Rambam il dit, le Hesed, la miséricorde que Hashem il a fait avec nous, qui peut nous pardonner. Alors voilà, on n'a pas besoin de Rosh Hashanah. Il peut nous pardonner. On fait teshuvah, il nous pardonne. Pourquoi être jugé? Écoutez très bien, demandez à quiconque vous voulez, lorsqu'on pardonne, on ne juge pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous pardonne, on fait des choix, on est pardonné, et pourquoi on est jugé. Ça, c'est une question que je n'arrive pas, que j'essaie de comprendre. Mes amis, vous savez très bien que la Mishnah, nos sages, ils disent que HaKadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a créé deux choses. Il a créé deux choses pour le bien-être de l'être humain. La Teshuvah et la Torah. La Torah et la Teshuvah. La Torah, c'est les mitzvot qu'on fait. Et la Teshuvah, de peur que ces mitzvot-là, on va pas les faire un jour. On va les faire à travers. Alors, au moins, on peut se repentir. On peut dire pardon à Hachem. Hachem, il a fait une création. Il a créé la Teshuvah. Et vous savez, mes amis, je vous donne ma parole d'honneur. Vous pouvez pas, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Ici, nous avons avec nous ici, dans l'assemblée, un jeune homme, un hatan, que bientôt va se marier si Dieu veut, qui vient de l'Argentine. Et ce jeune-là, vous pouvez pas imaginer la teshuvah qu'il a fait. Vous pouvez pas imaginer. Moi, je suis jaloux de lui. Je sais même pas si j'ai pris comme lui. C'est un garçon qui était loin de tout, très loin de tout, et il a découvert la Torah, à tel point que cette semaine, on est resté ensemble 4 jours. Pendant 4 jours, j'ai fait chaque jour 2-3 cours dans le bus, parce que c'est 4 jours de dimanche, lundi, mardi, jusqu'à ce matin, non-stop, on a voyagé du non-stop. On a fait tous les tzadikim, beaucoup de tzadikim en Ukraine. Et en Russie. Et je voudrais simplement vous dire une chose. Lorsque je parlais, il fallait voir comment il regarde. Il avait des larmes aux yeux. Hier soir, il me fait une déclaration d'amour. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je vais devenir demain? Je me suis habitué 3 jours de Torah avec toi. À qui va me donner des cours de Torah demain? Avec qui je vais parler? Je vous donne la parole d'honneur. Et ce matin, quand on me le répète, à l'aéroport. Est-ce que quelqu'un peut aimer la Torah? C'est ça la beauté de la Torah. La beauté de la Torah, lorsqu'on la découvre, on l'aime. Maintenant, la question se pose. On dit qu'on l'aime, mais est-ce qu'on l'a découvert? Mais qui ici, qui peut me dire qu'il n'aime pas la Torah? C'est impossible! C'est impossible, tout le monde va me dire on aime. Qui peut oser dire j'aime pas la Torah? C'est impossible. Et pourtant, est-ce que Bémet on l'aime ou on l'aime pas? Bémet, on te pose la question, est-ce qu'on l'aime? Si on l'aime, alors on peut pas vivre sans elle. Mais on voit qu'on peut vivre sans elle. Alors ça veut dire quoi? On l'aime pas? Non, c'est pas vrai, je l'aime. Alors si tu l'aimes, donc tu peux pas vivre sans elle. Alors si tu peux pas vivre sans elle, pourquoi tu fais ceci et cela? Bon, c'est une question. Mais grâce à Dieu et la Teshuvah. La Teshuvah, ça veut dire on se rachète. La Teshuvah, elle nous rend une autre créature. Hachem, il a créé la Teshuvah pour que cette Teshuvah, lorsqu'un homme, il fait pénitence, il devient un autre. Quelqu'un d'autre. Machouahir. Il n'est plus le David qui était hier. Il n'est plus le David qui était il y a quelques secondes. C'est un autre David. C'est quelque chose de nouveau. C'est ça la Teshuvah. Mes amis, j'ai pensé cette semaine. Excusez-moi. J'ai pensé cette semaine
que Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous y sache qu'il nous pardonne, mais qu'il nous juge. C'est compris? Il nous pardonne. Hé, je te pardonne, mais je te juge. Alors, si tu me pardonnes, pourquoi tu me juges? Pourquoi je te juge? Ben parce que je veux savoir est-ce vraiment que tu as fait teshuva ou pas. Parce que beaucoup de fois, on peut croire qu'on a fait une teshuva. Mais qui me garantit que je l'ai fait? Je voudrais vous dire quelque chose. Un homme qui gagne au loto et qui devient multimilliardaire en une minute, et un homme qui a travaillé toute sa vie pour être riche, lequel est le plus important? Bien sûr, celui qui a travaillé toute sa vie pour devenir riche. Parce que celui qui a travaillé toute sa vie pour devenir riche, il va apprécier son argent. Il ne va pas le dépenser, il ne va pas le brûler. Un homme qui est devenu riche parce qu'il a gagné au loto, il est super content, il est bien. Mais, de la même façon qu'il a gagné, il peut le perdre. Parce qu'il n'a pas travaillé pour le gagner. Donc il peut le perdre. Il peut le perdre. Et c'est une grande différence. Une teshuva de tchik-tchak, une teshuva que l'homme y fait sans réfléchir, que lorsqu'un homme y fait une teshuva avec crainte de cette teshuva, Hachem il le pardonne, mais il y a toujours un peu de doute. Est-ce vraiment Hachem qui m'a pardonné? Est-ce que je me suis amélioré? C'est la raison pourquoi Hachem il veut qu'on sache qu'on est pardonné, mais on va être jugé. Mes amis, ce El Azab Ben Dodaria et ce Ménaché et ce Ish Tserorot, bien sûr qu'ils ont fait des chevaux. Ils sont morts et la voix du ciel, il y a une voix qui sort et qui leur dit « Vous avez Gan Eden. » Super. Mais vous croyez qu'ils ne vont pas être jugés après? Vous croyez là une fois qu'ils sont morts, ils ne vont pas les juger? Bien sûr qu'ils vont être jugés. Je vais aller plus loin avec vous. Je vais vous dire que lorsque Mashiach il va venir, même mon cher Rabbeinu, il va être jugé encore. C'est ce qu'on appelle Hayom Hadin Hagadol Ve'anora, le grand jour du jugement. Ce grand jour du jugement, il va se produire quand Mashiach il va venir. Akadosh Baruch Hu, il va rejuger tous ceux qui sont morts il y a 2000, 3000, même Adam Arishon, même Abraham Abinu, même Yitzhak, même Yaakov. Ils vont encore une autre fois, ils vont encore être jugés. Mais c'est la peur. Vous savez que, je vous donne la parole d'honneur, que les tzadikim aujourd'hui, ils ont peur de ce jugement-là, même qu'ils sont maintenant Gan Eden, ils sont maintenant tranquilles, ils sont assis devant Akadosh Baruch Hu, ils ont toujours la crainte, la peur du jugement, la peur, qu'est-ce qui va se passer demain, dans 100 ans, dans 200 ans, lorsque Mashiach il va venir, dans 2 jours, admettons Mashiach, il viendra demain, si Dieu veut, eh bien, tout de suite, il y aura ce grand jugement-là. Et pourtant, il nous a pardonné. Et pourtant, Rabbi Hippito est déjà à Gan Eden. Pourquoi il va être encore jugé? Eh bien, le jugement, il va se refaire. C'est-à-dire, Abota, il faut savoir une chose. Hachem, il veut qu'on sache que même lorsqu'il nous pardonne, c'est important pour nous de savoir qu'on va encore une fois être jugé encore une fois. Même qu'il y ait le pardon. Parce que lorsqu'on sait qu'on va être jugé, alors la teshuva, elle va être un peu mieux. Écoutez bien. Alors ça va, vous allez écouter, ça va vous faire un peu rire, vous savez. Il y a, par exemple, hier, on était dans le bus. Et à un moment donné, écoutez bien ça, à un moment donné dans le bus, vous savez, c'est des heures et des heures enfermées dans le bus. Et vous savez, et ça sentait très mauvais dans le bus, parce que les toilettes là, étaient bouchées, et ça sentait mauvais. Alors, chacun y mettait du parfum. Alors, c'était un mélange. Du parfum. Vous avez compris? Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on sort de ce parfum-là? Terrible. Mais, lorsqu'on jette le parfum à côté de nous, ça sent bon. Mais après, il se mélange avec l'autre parfum, eh bien, ça sentait mauvais.
Mais personne ne parlait. On a fait semblant aux amas qu'il n'y a rien du tout. Voilà, on a fait semblant qu'il n'y a rien du tout. Et les amas ont rigolé qu'il n'y a rien du tout, mais ça puait. Mes amis, imaginez-vous quelqu'un qui se lave, il met du parfum, et il sent bon. Et le savon, et le parfum, et le déodorant, il sent très bon. Maintenant, quelqu'un qui ne s'est pas lavé, il pue, il pue, il transpire, et il prend du déodorant, et il prend du parfum, et le Chanel, et il mélange et il fait un mélange de parfum, et il le met sur lui. Ça va, il va sentir un peu bon de loin, mais lorsqu'on l'approche, on va sentir une odeur, un mélange, et la transpiration, et les odeurs, mais il restera toujours sale. Mes amis, c'est vrai, on croit, pendant le mois d'Eloul, on a fait une teshuva. C'est vrai. Mais qui te dit que cette teshuva, elle a été une bonne teshuva? C'est Hachem, il sait que uniquement lorsque l'idée elle s'installe dans la tête de la personne qu'il y a un jugement, c'est là que le monsieur il va faire une bonne teshuva. Si je sais qu'il y a un pardon sans que je vais être jugé, alors ma teshuva ne va pas être une super teshuva. Pas c'est une teshuva en sachant que je ne vais pas être jugé. Et j'ai un pardon. C'est ce qu'on appelle de l'acquis. L'acquis, voilà, ça y est du tout. Qu'est-ce que j'ai gagné alors? Hachem, il veut qu'on change. Hachem, il ne veut pas qu'on reste sale. On se parfume et on est sale. On se parfume avec du bon parfum et on est toujours sale parce qu'on n'a pas irradié la faute. Il n'y a pas eu de bonté, je ne sais pas. Le jugement de Rosh Hashanah qui va être suivi par le pardon de Kippour, c'est ça qui va faire que pendant le mois d'Elul, je fais une bonté, je ne sais pas. Vous savez, mes amis, lorsqu'on se casse la tête pour faire teshuva, et la peur du jugement, et la peur de savoir quel va être notre sort à Kippour, qu'est-ce qui va se passer, ça va nous pousser à faire vraiment une bonne teshuva. À quoi sert un pardon lorsqu'on est pour sale? Vous savez, mes amis, je voudrais que vous me donniez un peu de votre attention. Je vais vous raconter une histoire que j'ai décidé de raconter, ce n'est pas tout le temps que je la raconte. Et de cette histoire-là, vous allez voir la grandeur d'Hachem et la grandeur de Tzadik Abihim, plutôt que demain c'est Saïloula, que cette semaine c'est Saïloula. Vous savez que lorsque j'ai quitté le Maroc, j'étais jeune. Et lorsque on m'a envoyé à la yeshiva, à l'âge de 8 ans et demi. Et à l'âge de 10 ans, mon père il m'a envoyé ici en France à la yeshiva de Fublen de l'époque. Et à l'âge de 13 ans, ma mère elle est venue, elle m'a fait la bar mitzvah et elle m'a pris à la yeshiva en Angleterre. Alors, quelle bar mitzvah j'ai fait? J'assiste à des bar mitzvah aujourd'hui. Je vois des bar mitzvah au Kotel, au Hilton, Intercontinental. Une bar mitzvah qui s'est fait dans les bateaux, dans les grands bateaux, Queen Elizabeth II. Vous savez, des bar mitzvah et les cadeaux, waouh, à la cadeau. Les cadeaux, c'est des gâteaux. Vous savez, les cadeaux, vous savez, aujourd'hui, je vous donne une idée. Beaucoup de fois, je reçois le maaser, les 10% des jeunes hommes qui font la bar mitzvah. Et parfois, je reçois jusqu'à 10 000 euros. Ça veut dire qu'il a reçu 100 000 euros en espèces pour sa bar mitzvah. Déjà, il est millionnaire depuis qu'il est jeune. Maintenant, il faut attendre le mariage, il aura que... Bon, moi, David Pinto, il y avait difficilement chez Aviminian. Pas de cadeau, pas de henné, pas de montre. Et bien sûr, pas d'orchestre. J'étais privé de tout. Je ne sais même pas ce costume que ma mère m'a acheté. Je ne sais pas d'où elle a eu. Je ne sais pas si c'est pas à l'osée qu'elle a été le chercher.
Et à cette époque, je me disais, et où est papa? Mon père était au Maroc. Mes amis, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, bon, c'est comme ça, et c'est comme ça. On n'a pas grandi dans une maison où on avait droit à être gâté. On nous donnait un peu de Pepsi-Cola. Mon père, il y avait des petites bouteilles de Pepsi-Cola. Mon père, il achetait une petite bouteille et il nous donnait la ration. On dirait qu'on était en pleine guerre. Et un peu de Coca-Cola, et le reste le lendemain. Et il s'est resté encore un peu pendant la semaine et donné quelques gouttes. Et voilà comment on a grandi à la maison. Mes amis, un jour, à l'âge de 17 ans, je crois que j'avais 15 ans et demi, mon père, il est parti en Israël pour voir est-ce qu'il va s'installer là-bas ou pas. Mon père retourne en France et fait un escale en France. Ils ont appelé la yeshiva, Rav Shammai, mon rab, et ont dit que s'il peut me laisser venir à Paris voir mon père que j'ai pas vu pendant 5-6 ans, je pense, ou 7 ans, je peux pas vous dire exactement. Et je suis en train de faire des recherches, combien ça a duré pour, une fois, je pense, c'est 5 ans, une fois 6 ans, je suis pas encore sûr, mais je sais que je l'ai pas vu, moins de 5 ans, non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aujourd'hui qui voit pas ses parents 5 ans? Vous savez que le grand rabbin, Rabbi Nissim Revivo, le Dayan de Paris, il n'a pas vu ses parents 13 ans. 13 ans, il n'a pas vu ses parents. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Ben Arroche, qui était à Fublaine, après il est parti à Armentières, à Bussière. Il n'a pas vu ses parents 22 ans. Et c'est de la folie. Mais je lui dis, comment tu as fait? Il m'a dit, comme que toi, tu n'as pas vu tes parents 5 ans, multiplié en 4, ça fait 20 ans, ben voilà, c'est comme ça. J'ai pas cherché à comprendre. Moi aussi, j'aurais pu ne pas les voir pendant je sais pas combien d'années. Ben, écoutez bien cette histoire-là. Je viens voir mon père, et voilà, je découvre quelque chose. Je découvre la Bastille. La première fois dans ma vie, la Bastille. La Bastille de l'époque, il y a à peu près 45 ans, 47 ans, ou 45 ans, c'est pas la Bastille d'aujourd'hui. Il n'y avait pas là-bas ce théâtre que vous voyez là-bas. C'était quelque chose. Mais pour ceux qui se rappellent comment c'était la Bastille avant, vous vous rappelez, il y avait là-bas un parc des voitures tamponneuses. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Ah ouais, alors. Ah ben c'est bien. Alors moi, j'ai vu des voitures qui se tamponnaient entre eux. Et j'ai vu des enfants qui avaient mon âge. Et moins que moi. Alors je lui dis, tiens, et pourquoi pas moi? J'avais un peu d'argent que mon père m'a laissé, et je les ai dépensés. Et je me suis régalé. Et pendant toute la journée, j'ai oublié que j'avais faim. C'était la première fois dans ma vie que je tamponnais tout le monde. Et tout le monde qui me tamponnait, et voilà. Et je m'amusais, je ne les connaissais pas, et on ne se connaît pas, voilà. Et chacun, il frappe l'autre. Ah, 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 ah. Et entre-temps, j'ai tout gaspillé. J'avais plus d'argent. Et voilà, j'arrive à un moment que même l'argent que j'avais de quoi aller récupérer ma valise qui se trouvait à la gare du Nord, j'avais été en consigne, il y avait le passeport, il y avait tout, j'avais pas. Je retourne chez un rabbin, je ne vais pas dire son nom, mais disons qu'il s'appelle Rabbin David Cohen, je ne vais pas dire son vrai nom. C'est lui qui m'a hébergé chez lui pour la fête de Rosh Hashanah, et après Rosh Hashanah, je devais retourner à la yeshiva de l'Angleterre. Et voilà, mes amis, il me dit, « Et où est ta valise? Demain, c'est Rosh Hashanah. » Et je le regarde, et je lui dis, « Demain, je vais aller chercher. » Et voilà, le lendemain, j'étais comme un fou. Je n'avais pas d'argent. Je suis parti à la rue des Rosiers. Et je marchais à la rue des Rosiers. À l'époque, la rue des Rosiers, c'était la rue où il y avait beaucoup de boucheries. Et il y avait là-bas beaucoup de juifs. Et je faisais, et je marchais la rue. Et je marche la rue. Et je fais les allers-retours. Et je prie à Kadosh Baruch Hu. Hier, Rabbi Haim Pinto, on m'a tellement raconté des histoires sur toi. On m'a tellement dit que tu es miraculeux. Et je suis ton petit-fils. Et si tu aides tout le monde, et moi tu ne m'aides pas, tu ne peux pas me faire un service. Tu ne peux pas faire à ce que quelqu'un marche, il fait tomber son argent.
et je récupère cet argent pour aller récupérer ma valise. Ah, Rabbi Haïfi, toi, tu m'écoutes ou pas? Et j'avais l'aïmouna, j'ai pris. Bon, c'était 10h du matin, de 10h on passe à 11h, de 11h on passe à 12h à midi, et de midi à 1h, et de 1h à 2h. Et la journée est se raccourcit. Et personne ne perd ce portefeuille. Moi, je commence à perdre la tête, et personne, on dirait que tout le monde faisait attention de moi. On dirait que tout le monde savait que je regardais le parti comme si je faisais Bidgat Hametz. Je cherchais Hametz. Et moi, je cherchais à l'époque, Ahsara, les francs, pas les euros. La Ahsara, là, les francs. Le gros billet de 200 francs. On les appelait 20 000 francs. Ah, là. On parlait que des 1000. Aujourd'hui, on parle de 1000 euros, on a peur. À l'époque, on parlait de 50 000 francs. C'est un petit billet de 50 000 francs, Wallo. Aujourd'hui, il coûte 5 euros. 50 000 francs de l'époque. 5 000 francs, 10 000 francs, 20. Et je marche. J'arrive à l'heure, 5h30. Dans une heure, c'est la fête de Rosh Hashanah. Je dis à Rabbi Haïm Pinto, mais toi, je te demande plus 50 francs, ça veut dire 5 000 francs de l'époque, pour aller récupérer ma valise. Maintenant, Rabbi Haïm Pinto, je vais aller acheter des vêtements et tu vas me donner toute la totalité. Et je vais à la rue de Rivoli. C'est une mémoire que je ne peux pas oublier. Je vais à la rue de Rivoli et je marche. Et je trouve un juif qui s'appelle Monsieur X. Je rentre chez lui, il avait de tout. Avant, les juifs, ils avaient de tout. Ils avaient même, ils vendaient et les costumes et aussi les noix de coco aussi avec. Il y avait les légumes, tout, et costumes, les vêtements, il y avait de tout. C'est ça la rue des Rosiers de l'époque. Mais ils vendaient de tout. Alimentation générale avec vêtements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était comme ça. Je rentre chez lui, il me dit, qu'est-ce que vous voulez, qu'il croyait que je suis venu pour acheter une baguette. Et voilà, je lui dis, moi je veux un costume, et je l'ai essayé, et il m'a préparé mon sac. Il me dit, voilà, c'est, à l'époque, c'était 55 000, à l'époque, disons 500 francs, disons, admettons, on va dire un prix, 500 euros. C'est pas ça, mais on dit un prix. Il s'attendait que j'aille le payer, je lui dis, donnez-moi une demi-heure. Il me dit, une demi-heure, il était un peu choqué, un peu déçu, parce que peut-être qu'il avait déjà l'habitude de voir des gens qui font des coups comme ça. Et voilà, je lui dis, ne vous inquiétez pas, il me dit, écoutez, si vous venez avant que je ferme, je vous fais une réduction de 50 euros. Là, je lui dis, ben, dans ma tête, je lui dis, ben, c'est ce que j'ai besoin pour aller récupérer la valise après les fêtes. Je sors, et j'ai dit, et je commence encore à parler avec Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto, tu m'as oublié. Où tu es? Je sais que tu es à Issaouira, et moi je suis à Paris, mais tu es partout. Tu peux pas demander à Kadosh Baruch Hu. Et encore, je regarde par terre. Alors si j'ai pas trouvé 50 francs le matin, comment je vais trouver mes 500 francs? C'est un rêve. Mais la Emouna, elle était là. À un moment donné, il restait un quart d'heure pour que le magasin y ferme. Et pour la dernière fois, je lève les yeux vers le ciel. Je vous apprends comment prier. Il ne faut jamais lâcher. Il faut prier. Il ne faut jamais lâcher. Comme ce El-Azhar ben Dodaria. Il a vu, il a senti qu'on ne peut pas, pour atteindre un but, il faut prier. Il a mis sa tête entre ses pieds, il a commencé à pleurer. Hachem, il a dit, je te pardonne. Moi, je n'ai pas demandé. Moi, je n'ai pas mis ma tête entre mes genoux. Moi, j'ai prié Hachem avec la tête haute. Et voilà, quelque chose qui se passe. J'entends quelqu'un qui appelle. David ! En général, vous entendez votre nom, vous tournez. Moi, Paris, je ne connais pas Paris, je ne connais personne. Mais j'ai entendu mon nom. Je me retourne, je dois en face, moi, un juif. Un monsieur petit de taille, court, brun, un homme bien brun. Il était un peu chauve. Il portait une chemise un peu courte. Il était très, très brun. Et qui me regarde, il pointait sur moi. Je lui dis, celui-là, il me connaît. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut. Il pointe sur moi, j'arrive vers lui, on se rencontre. Il me dit, je vous connais. Je lui dis, peut-être. Vous êtes le fils, vous êtes qui? Ben, je suis David Pinto. Ah! Pinto, vous êtes le fils de Rabbi Moshe Pinto, mon père la vache. Alors, je dis oui. Il m'a dit, paraît qu'il était là il y a quelques jours. Je dis oui, ben, je suis venu le voir. Ah, ben, très, très bien. Et qui vous êtes? Ah, ben, je suis chez M. David Cohen.
à la rue Rambuteau, numéro 22. Enfin, et il me dit, ça tombe très très bien, je vous en prie, faites-moi un service, c'est la fête de Rosh Hashanah. Ce monsieur, il m'a prêté en Israël, il y a quelques mois, la somme de 500 euros, et je ne l'ai pas vu, et je vous en prie, si vous pouvez lui donner cet argent, faites-moi un grand. Et moi, quoi je pense? À quoi je pense? À quoi je pense? Au costume. Je pense à la rue de Rivoli. Je prends l'enveloppe et lui dis, je te souhaite une bonne fête. Et là, vous m'avez fait une bracha. Je prends l'enveloppe et je me retourne. Le monsieur a disparu. Je ne sais pas d'où il est venu. Il ne pouvait pas disparaître. Parce que c'était pas, il n'avait pas où disparaître. Donc, le temps que je reçois, je me retourne, il devait être quelque part à gauche ou à droite. Je ne me suis pas posé de question. Je cours chez le monsieur, je le paye, il me donne mon costume, et je rentre à la maison avec les vêtements. Bien sûr, évidemment, après les fêtes de Rosh Hashanah, je récupère la valise et je rends l'argent à monsieur David Cohen. Monsieur David Cohen, il prend l'enveloppe, il la regarde. Il regarde, il me dit, c'est vrai, ça, cette lettre, elle est pour moi, très bien, mais je ne sais pas qui vous a donné cette lettre. Moi, j'ai jamais été en Israël, j'ai jamais prêté cette somme à personne. J'y mets, il y a ton nom, il y a l'adresse, il y a le numéro, il y a la rue, il y a l'étage. Il dit oui, tout est étalé ici, mais c'est pas moi. Que je vais faire avec ça? Il dit, ben, je sais pas. Tu les prends, c'est à toi. C'est ton grand-père, peut-être, qui est venu de l'autre monde. Tu l'as dérangé, tu l'as appelé. Voilà, il t'a donné ton argent, ce que tu avais besoin. J'ai rencontré mon père, quelque temps plus tard. Je lui ai raconté l'histoire. Il me dit, avec tout ce que tu as prié, ça pouvait être que ton grand-père qui est venu de l'autre monde. Ou il t'a envoyé quelqu'un qui t'a aidé. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Voilà, mes amis. La force de la prière et la force des tzadikim. C'est ça la force des tzadikim et c'est ça la force de la prière. Maintenant, à mon niveau, à moi, je savais qu'est-ce que j'avais besoin. La fête, elle approche, j'ai honte. Comment je vais passer la fête sans les vêtements? Donc ma prière était d'une manière au-delà de ce que je pouvais prier. Il y a une différence entre ce qu'on a besoin de quelque chose et comment on prie. Et lorsqu'on n'a pas besoin de quelque chose, et comment on prie? Bien sûr, pendant le mois d'Eloul, on va prier. Mais est-ce qu'on sait, si on prie d'une manière que je sais que je suis déjà pardonné, ma prière, elle va pas être, ma pénitence et ma prière, ils vont pas être à 100%, comme si je sais que même que je prie, même que je vais te pardonner, on va me juger. Ça change un peu. Ça change un peu toute la situation. On va me juger. La différence, elle est grande. Maintenant, la différence entre un homme qui fait Teshuvah pendant le mois d'Eloul et Rosh Hashanah et Kippour, et un homme qui est en train de voir son père en train de mourir et qui est en train de prier Hachem, je veux mon père qui vit. Il y a une grande différence. Parce que même lorsqu'on fait pénitence, quand il dit le Rambam il dit Hakarat Ahet, pour qu'il y ait une vraie Teshuvah, il faut reconnaître la faute que tu as fait vis-à-vis de Dieu. Mais est-ce que nous on reconnaît? C'est ça le problème. Hakarat ha'et. Il faut reconnaître. Ici on reconnaît. Alors là, la teshuvah, elle va être importante. Elle va faire un peu d'effet. Mais si on reconnaît pas, c'est-à-dire, je fais teshuvah par tout à l'heure de cœur. Je suis le mouvement. Tout le monde fait teshuvah. Moi aussi, là. Tout le monde fait. Moi aussi, je me fais comme un fou. Je me tape, voilà. Et on se tape, voilà. À la rigueur, même si je me donne un coup de poing à quelqu'un, pourquoi pas? Quelle différence? Si je me frappe à moi, je frappe un autre. Il n'y a pas de différence. Mes amis, c'est important. C'est le fait de savoir qu'il y a un jugement. Mihye, qui va vivre. Mihamout, qui va mourir. Mais bien, Ito, à 100 ans,
au Zman, au moment voulu, Michel Obeitour, Kekaito, il peut vivre 100 ans, et voilà, le bon Dieu va couper son âge, il va lui raccourcir la vie à 50%. Qui va être malade? Qui va guérir? Comme cette, comme j'ai raconté cette semaine, malheureusement, c'est cette semaine, on a entendu beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ne se sont pas réveillés le matin, les pauvres. Qui sont jeunes, qui ne sont pas vieux. Et ça s'est décidé à Rosh Hashanah. Comment on voit l'avenir de l'année prochaine? Qu'est-ce que, entre vous et moi, on réfléchit un peu. Venez, on va réfléchir un peu. Cette année-là, comment elle était? Est-ce qu'elle était super? Elle était bien cette année? Comment elle était cette année? Réfléchissons un peu. C'était pas une super bonne année cette année. Mais pour Hachem, bon, on l'a traîné avec nous. Bon, on est là. Mais l'année prochaine, comment elle va être? Comment elle va être l'année prochaine? L'année prochaine, comment elle va être? Ben, je sais pas comment elle va être. Mais tout ce que je sais, que c'est nous les garants de l'année prochaine. Je répète. C'est nous les garants de l'année prochaine. C'est quoi? C'est nous. Tout dépend comment on va se repentir, comment on va changer l'aspect de l'année prochaine. Si l'année elle est pas, je sais pas, dans le ciel, ils ont un programme qui est déjà. Vous savez que le programme est déjà programmé, mais il faut qu'il y ait la signature déjà. Et maintenant, le programme il est là. Il faut maintenant qu'il y a l'assemblée générale qui va se faire à Rosh Hashanah. Après, il va y avoir une signature. Mais déjà, c'est prévu ce qui va se passer l'année prochaine. Pour le mois de Elul, déjà les choses sont déjà prévues. Mais ils sont dans les classeurs. Ils sont pas encore classés, ils sont pas signés, ils sont pas encore jugés. Mais tout est là, tout est classé déjà. Vous croyez que Hachem sait pas ce que j'ai fait toute l'année? Vous savez pas si, vous croyez que Hachem, il sait pas si j'ai fait des chouvas ou j'ai pas fait des chouvas. Il sait tout, Hachem. Vous savez, il y a un grand tzaddik qui dit une phrase extraordinaire. Le petit-fils de Baal HaTanya. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai beaucoup aimé et admiré ce qu'il dit. Il dit, on peut pas, we can't fool Hachem. Non, je parle en anglais. Il dit, on peut pas jouer avec le bon Dieu. Et de la même façon qu'on ne peut pas jouer avec le bon Dieu, on peut pas jouer avec un ami. Je ne peux pas jouer avec quelqu'un, je ne peux pas faire des coups à quelqu'un, il sait. Alors, je ne peux pas jouer avec le bon Dieu. Parce que, par exemple, Zamak, soi-disant, j'ai fait tes chouvas. Zamak, voilà, j'ai fait une bonne pénitence. Attends, si tu l'as fait, le bon Dieu le sait. Si tu ne l'as pas fait, le bon Dieu sait que tu ne l'as pas fait. Donc, tu ne peux pas faire du semblant. Zamak, voilà, j'ai fait du semblant que j'ai fait tes chevaux. Tu ne peux pas jouer avec le bon Dieu. Donc, contre qui tu vas jouer? Ben, je vais montrer à Rabbi David que je prie bien. Allez, comme ça, il va se croire. Mais moi, moi, je ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer avec moi. Moi, la façon comment tu pries, je saurai comment tu es. Donc, tu ne veux pas jouer avec le bon Dieu. Tu peux pas jouer avec moi, tu peux pas me tromper. Quand tu veux pas tromper le bon Dieu, tu peux pas me tromper. Alors, tu peux tromper qui? Tu ne peux tromper que toi. Mais, tromper, te faire tromper toi-même, tu es l'homme le plus ridicule du monde. C'est comme moi, Jamak, je me fais montrer que je suis tzaddik. À moi-même. Alhamar. Mais tu sais que tu n'es pas tzaddik. Au bon Dieu, tu peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas, tu peux pas tromper. Alors, respecte-toi. Mais toi, tu es l'homme le plus grand fou du monde si tu fais semblant que tu es sadique avec toi-même. C'est pas par exemple avec le pauvre. Regardez-moi, je connais un pauvre au Maroc. Regardez-moi tous. Il marchait comme ça. Il mettait ses mains dans sa poche. Il disait, Marc, il faisait des semblants que, il mettait là-bas des pierres, smat, des petites pierres de rocher. Smat, vous savez, ça fait du bruit. Zamak, pour qu'on croit que c'est l'argent. Mais Aboul, on sait qu'il est pauvre. On sait que c'est smat. Alors, à qui veut tromper? Déjà, avec la façon dont il a dit, on sait qu'il est pauvre. Alors, quoi, mais Aboul? Ça veut dire qu'il faut être fou. Mes amis, l'année prochaine, comment elle va être? Eh ben, les clés de l'année prochaine, ils sont entre nos mains. C'est nous qu'on décide comment l'année prochaine elle va être. Et selon comment on décide comment l'année prochaine elle va être, eh ben elle va être. On va faire une bonne teshuva, eh ben avec les doigts quand je vais au cou, les choses
Aujourd'hui, il y a des bruits de guerre en Iran, des bruits de guerre à gauche, à droite. Israël, la pauvre, ils sont entourés, ils ne savent pas où, qu'est-ce qui va se passer. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne sait pas quoi. En Syrie, ça va mal. La Libye, la Tunisie, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé cette année. En Égypte, on sait ce qui s'est passé cette année. Enfin, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails de politique, mais à quoi on doit s'attendre l'année prochaine? Il y a les élections en Amérique, il y a les élections en Israël. Israël est en danger. Et si, Dieu préserve, quelque chose arrive en Israël, ne croyez pas que nous on est protégés. On ne sait pas. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier à Hachem. Il faut savoir. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu que Be'ezrat Hachem, que l'année soit bénéfique. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu que on ne sait pas. On peut pas savoir. Mais une seule chose que je peux savoir, c'est que nous, on doit Be'ezrat Hachem faire des efforts pour se rapprocher davantage à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous dire, j'ai encore 5 minutes et j'arrête. Il est là, Yoel Fergan. Alors, approche le chauffard. Alors maintenant, vous avez écouté une histoire personnelle, et avec cette histoire, je termine le cours. Lorsqu'on était en Amérique et des États-Unis, on a pris l'avion pour aller à Tel Aviv. J'avais un peu plus de ce que je devais avoir. Moi, dans ma tête, j'ai cru que l'argent que j'avais à peu près 12 000, 15 000 dollars, alors qu'on avait le droit de prendre que 10 000 dollars. Mais moi, dans ma tête, je croyais, ma femme elle prend un peu, je donne un peu à mon fils, un peu moi, bon, on arrive, bon. On rentre dans l'avion, et voilà la douane qui m'arrête. Et un mois et demi. Elle me dit, vous avez quelque chose à déclarer? Je lui dis, oui, j'ai un peu d'argent, combien vous avez? Et je lui dis la somme. Il prend une feuille, il me dit, signe. Mais comme ça, il me dit, signe. Il me dit, j'ai signé, combien tu as toi? Je dis, j'ai comme ça. Combien elle a ta femme? Elle attend. Et combien elle a ton fils? Il attend. Signe, je signe. Vous savez que vous ne devez pas avoir plus de 10 000. Non, je ne savais pas. Mais je dis, c'était partagé. Je dis, non, puisque vous êtes une famille, il faut avoir que 10 000, pas plus. Bon, je ne savais pas. Bon, suivez-nous. On rentre dans une petite chambre. Écoutez bien cette histoire. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir cette histoire. Il me dit, on avait tout ce que vous avez dans la poche, ça c'est ce qu'on a fait. Il a fouillé bien ce qu'on avait en main et a trouvé exactement la somme que je lui ai dit. Il me dit, vous savez, vous avez de la chance. Je dis, pourquoi? Parce que vous avez dit la vérité. Si vous avez dit que vous avez 12 000 ou 13 000 et qu'on a trouvé chez vous 20 000, vous auriez pu être en problème. Mais parce que vous avez dit la vérité, alors on vous croit. Après, il me fait signer un papier. Je lui dis, mais pourquoi vous me faites signer un papier? Parce qu'entre temps, il me dit, tu peux tout prendre. Il me dit, signe que je t'ai tout rendu. J'ai signé qu'il m'a tout rendu. Mais il faut que tu signes ce papier-là. Ce papier que on a trouvé chez toi à temps. Je lui dis, mais pourquoi vous voulez que je vous signe? Il m'a dit, comme ça, la prochaine fois, si on vous arrête, tu vas payer une grande punition. Parce que tu sais que tu n'as pas le droit de prendre plus de 10 000 et tu as pris plus. Et la preuve, voilà, tu as signé. J'ai dit, ah bon, ça veut dire qu'il faut maintenant, ça veut dire qu'il faut que je mette attention à chaque fois que je sors d'Amérique, il ne faut pas que j'ai plus de 12 000. Il m'a dit, oui, très bien. Je quitte. Après, on a rigolé un peu. Il m'a même demandé une bracha pour que sa femme, elle accouche bien. Et vous savez qui c'était qui? Un juif marocain qui s'appelait Monsieur Zaguri. Qui était américain, mais il nous a fait passer un quart d'heure.
Et après, je lui ai donné un coup sur le dos. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il me dit, c'est mon travail. Heureusement que j'ai dit la vérité. Je rentre dans l'avion. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je commence à réfléchir. Je lui ai dit, David, tu vois, lorsque tu fais tes chevaux, Hachem, il te dit, je te pardonne. Lorsque je fais toujours sa vie, j'avoue. Hachem, j'avoue, je déclare, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je... Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Bon, tu as dit la vérité. Alors, signe-moi ce papier-là que tu ne vas plus recommencer. Imaginez-vous un an plus tard, je me fais attraper à Rosh Hashanah et le bon Dieu me montre le papier. Mais David, mais l'année dernière, tu m'as signé, tu m'as avoué toutes les fautes que tu as faites et tu as signé que tu vas plus recommencer. Pourquoi tu as recommencé? C'est ça le jugement. Vous avez compris? C'est ça le jugement. Le bon Dieu nous pardonne. Mais le bon Dieu, il compare notre signature, la fait qu'on lui signe chaque année, qu'on recommence plus. Il nous la montre. Mais l'année dernière, tu m'as promis, tu m'as signé. Et je t'ai dit, alors, et tu m'avais demandé, puisque tu me pardonnes Hachem, pourquoi tu me fais signer ce papier? Et je t'ai répondu, je te fais signer ce papier pour que la prochaine fois, je te rappelle que tu m'as promis que tu ne fautes plus. Alors pourquoi tu as fauté? Qu'est-ce que je vais répondre à Kadosh Baruch? Répondez-moi. C'est ça le Mishpat, et c'est ça le jugement, c'est ça Yom HaDin, c'est ça le jugement. Il nous juge par rapport à la lettre qu'on lui a signée l'année précédente, qu'on ne veut plus recommencer. Et voilà encore on se fait attraper. Heureusement que le bon Dieu il est miséricorde, il nous pardonne. Si c'était un Américain, il ne va pas nous pardonner. Il ne va pas nous pardonner. C'est ça Rabotai. Mes amis, c'est ça, Be'ezat Hashem, que vous tous, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, sachant qu'est-ce qu'on attend de vous, on attend de vous un peu plus de la Torah, on attend de vous un peu plus de la crainte de Dieu, on attend de vous un peu plus dans le Shabbat, dans la pureté familiale, les tfilin, dans le manger kasher, on attend de vous d'être pas ce que vous êtes, d'être un peu mieux ce que vous êtes. Et moi avec vous. Demain, si Dieu veut, on voyage au Maroc. On va prier pour vous. Ceux qui vont venir avec nous, Baruch Haba. Et ceux qui ne peuvent pas venir avec nous, alors avec les deux HaKadosh Baruch, on va prier pour eux. Alors, la Bretagne, je voudrais simplement, depuis Oshana là-bas, je vous ai pas, cette année, c'était une année un peu dure. J'ai pas fait de grands cours de Torah, mais Baruch Hashem, il y a mes enfants qui, grâce à Dieu, qui font des cours à gauche et à droite, Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, je leur fais confiance, ils font du beau travail, que Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, Rabbi Michael, les trois, que le bon Dieu les protège. Et je voudrais simplement vous donner ma bracha et vous dire que lorsque on vous appelle de temps en temps pour venir écouter des cours de chez mes enfants, sachez que ce que vous écoutez, ça ne peut que vous aider pour améliorer votre judaïsme. On n'a jamais forcé personne à être plus, à faire les choses de force. On vous ouvre les portes et à vous de prendre, à vous de choisir ce qui est bien pour vous. Mais ce que je vous conseille, choisissez le chemin de la Torah. Cher Rabbi Haïm Pinto, on va prier pour vous. Vous avez la possibilité tout à l'heure que chacun de vous, s'il veut écrire son nom, prenez un papier, débrouillez un petit papier, comme ça on vous fait une bracha sur le tombeau de Rabbi Haïm Pinto. N'oubliez pas que si Dieu veut, il y aura Oshana Rabba cette année, à Sarcelles, et à partir de minuit. Et n'oubliez pas, avec les deux HaKadosh Baruch Hu, que à Rosh Hashanah et Kippour, demandez une chose à HaKadosh Baruch Hu. Voilà, n'oubliez pas ce que je vous dis. Demandez une seule chose à HaKadosh Baruch Hu. C'est pas la peine de trop demander, donne-moi l'argent, donne-moi ceci et cela. Demandez à HaKadosh Baruch Hu que Hachem, il vous donne, c'est tout, que Hachem, il vous donne le mieux, ce que chacun de vous a besoin. Parce qu'on ne sait pas ce que j'ai besoin. Il se peut que je veux de l'argent,
Mais c'est pas l'argent qui va être mon bonheur. Il faut que je demande à Kosh Rakosh, toi tu sais ce que j'ai besoin. Toi, tu me donnes ce que j'ai besoin. Mais il faut que nous aussi, on montre à Kosh Baoko ce que lui, il a besoin de nous. Ce que lui, il veut de nous. Quoi faire? Parce que nous, on demande à Kosh Baoko, il faut aussi que nous aussi, on donne à Kosh Baoko quelque chose en échange. C'est pas rien que demander, donne-moi, et nous, on n'a rien donné à Kosh Baoko. Il faut qu'il y ait un aller-retour. Mes amis, je vous demande à vous tous de se lever. Après, je vais rentrer dans la chambre et je vais vous donner à chacun ce qu'il faut vous donner. Je sais pas ce qu'ils ont préparé pour vous dans le bureau. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai hu ha'Elohim, Adonai hu ha'Elohim. Adonai hu ha'Elohim, Adonai hu ha'Elohim. Anenu Elohe Abraham, Anenu. Anenu Abir Yaakov, Anenu. Anenu Magen David, Anenu. Anenu, ha'ole be'et rachamim, anenu. Shimon, Anenu. Anenu, Elahad, Rabbi Meir, Anenu. Anenu, Rahub, Hanun, Anenu. יושב על כיסא רחמים ומתנהל בחסידות מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון מעביר מחל לחטאים וסליחה לפושעים ומוציא ומסר ורומה לוקח את העם להם ומת ארץ ולמושו זכו לנו היום בראש שלושה כמו שעד את העניין כדי וכי כתוב את הרדה וירד את העניין בענן ואת יצאי מושב ויקרא בשם
Adonai Becha Nema Ba Yavur Adonai Alpana Vaikra. אבינו מלכינו אבינו אתה אבינו כנראה אחת אבינו כרחם עליה אבינו כנראה אבינו אבינו יחס לך אדוני עלינו כאשר ענו עצמו לרם תשמעי תלמחנו ידענו את האזון שמעני עוד ששמר אי תחנינו נחנינו כאשר בוז בגלל גריזה נסגור גריזה אבל תסגור גריזה 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 בגלל שמור שכוח אדוני השיעה מלחנים יוקרים לכבוד העצמי ברגע אבל אנחנו נזו נשאין לו כמו שבוח יצחן ואחר כדי מה שלך חתן חתן כמר Simplement, je voudrais, César, je voudrais vous présenter mon Baal HaBayit en Argentine et le travail qu'il fait. Et là-bas, on a construit une yeshiva. Et ici, c'est le rabbin Basso, c'est lui qui va s'occuper de la yeshiva. Et le garçon dont je vous ai parlé, qui voulait plus se séparer des études de la Torah qu'on a en parlé pendant toutes ces semaines, c'est le garçon qui est à ma droite. Voilà. Pour vous dire que lorsqu'on veut aimer, lorsqu'on écoute, on aime. Et c'est lui que ce matin m'a dit, alors quand je sais, je suis perdu, avec qui je vis, qui va me faire des cours de Torah? Pour vous dire, lorsqu'on goûte la Torah, on ne peut plus s'en séparer de la Torah. Alors je voudrais dire merci à la communauté de cette belle synagogue du Buffo, avec les deux dieux, qu'il y aura beaucoup de jeunes filles qui vont se marier ici un jour, si Dieu veut. Et je voudrais vous dire à vous tous, Shana Tova, que le bon Dieu protège, que Hashem vous donne une longue vie, Kiratzon, et vous donne le bracha v'atzlacha et la panasa. Et gada et gada, shmeraba, et va côté, va mener côté, va smar, va nez, va mishé, et pour le grand hédro, et sa vague à l'âme, zakari, ou amen, et shmeraba, et la vague, shaba, et va, et roma, et nassé, et tada, talib, et halal, shemed, et kouchab, et fou, et l'âme, fata, shata, shbehdan, et hamada, דנה בעלמד ואמן על ישראל ועל בנה תמידיון ועקו תמידי תמידיון ידבי ועצקי ועתק ידשתת ועתדי וחלטה ועתק אילה נא אולו לכמו שמחנה וחיזה לחי ארכים וזנאי וחי וחמי מי קדם אלה אמרי שמיה ורעם ואמן מי שלמה רבה משמיה חי וצבא ושואה מלחמה ושזבה ופה וגולה ושחל כפרה רווחה צלה אילה נא ופה עם ישראל ומואמן רוצה שלום ומר ורחמב ויעשה שם עלינו עקום ישראל, הוא אמן. שלמען לא תישא עיני אל הרים, יבוא את זה, איזה ממנו השורה יצאתנו ונכון שבועינו אלוהינו וישושבי ישראל. אדוני שמו יחד, אדוני צלחה יהיה, נכונים מה שישגר במדי, אדוני שכון כבר ישמע את המשכה, אדוני ישמו צלחה וחמת. Je fais une bracha pour tous ceux qui sont malades, et dans la bracha, je prie pour Menachem Mendel ben Hanna, et pour Michael Haïm ben Sarah, que Hachem, il renvoie le poche et les mains. Et pendant une seconde, pensez à tous ceux qui vont être inclus, on va les inclure dans la prière que je vais faire, tous ceux qui sont malades. Mishabach Rabotei Noavayim Sarako, Oubarek Kol HaChulim, Kol HaChulim Ve'acholot, Hashem Shmehayim, Shlachlayim Matom Shkot, Kwa Shilema, Yamach Ibrahim Yusuf Sagibim, En Narifan Alahim, En Narifan Alahim, אין נריפן עליהם, ובתים עליהם בגזרות קשות ורעות יגזרו עליהם בגזרות טובות. השם יעזם עד לבקרות שמור חי וזכר ומעצדיהם, ויתמלא עליהם בחמים וכנה רצון, מאמין. C'est dur pour moi de me séparer de vous. J'aurais beaucoup aimé rester avec vous toute la nuit, mais il faut aller faire dodo. Alors je souhaite Shana Tova, et je peux vous dire une chose. Hein? Vous voulez que je vous dise une chose? Je vous l'ai dit ou pas? Oui. Je vous le dis ou pas? Oui. Ben, je vous aime. Avec le produit vous protège et vous donne tout ce que vous désirez.